Bon. Je vais faire une petite vidéo pour te montrer comment emballer un cadeau. Je le trouve drôle. Pack. Le truc, le délice, je viens de manger comme tu t'arranges pour avoir comme la moitié de ta boîte de plus haut sur le côté. C'est pas les bons termes. Ça, non professionnel, c'est pas grave. Ok, fait que là c'est ça. Tu t'arranges pour avoir la moitié comme ça de chaque barre. Puis je me tente du tout comme ça. Puis pour en avoir assez pour faire la grandeur de la boîte, même plus pour être sûr. Tu prends un morceau de papier collant. Si la boîte tu peux, ben on voit absolument rien. Mais... ça tape dans le milieu, comme ça. T'arranges pour le côté que tu veux, comme maintenant que ça serait dessus, là. Soit caché comme ça. Jamais qu'ils l'ouvrent, ils vont faire aïe! Jamais ça va comme ça. Tu fais tout le tour. Puis là, mais si jamais t'arrives trop sur le bord, moi ce que je fais, c'est que je mets trop sur le bord de même. Je la replie un peu. Fait que ça fait une bordure clean, puis c'est moins étonnant. Moi, c'est le bord. Comme ça. Trop court. Oups. Comme ça. Là, ben, c'est arrivé au milieu. À peu près. Ben, un deuxième morceau de papier. Hein. Ma musique est bien trop épique pour ce que je t'en veux faire. Puis là, mais c'est ça. Vu que l'autre côté de même, t'es censé arriver à moitié, ou un petit peu, ben là, c'est pas mal tout au complet, ça fait aussi, là. Il faut pas que ça dépasse, sinon ça va mal plier, pis c'est ça qui marre, hein, qui chie un peu. Fait que tu prends le côté du dos, pis tu les plies de chaque côté. Aussi. Non, on voit pas plus. Je suis vraiment en train d'emmener une boîte de vide, c'est con. Si jamais ça dépasse un peu, non? Genre ici, mais tu sais, tu découpes tout le tour, puis tu vas le couper. Puis là, tu plies les coins. Comme ça, ben, chou. Ça. Moi, ce que je fais, ben, y a la technique, soit tu rabats le gros avant puis tu plies deux petits. Mais moi, je préfère plier les deux petits puis après ça, mettre le gros. Donc, plie les deux petits. C'est vraiment l'origami. Plus fine cote de même. Puis là, ben, tu sais, tu peux le remonter juste de même puis mettre un papier collant. Ou tu peux t'assurer que la bordure ici a plus comme ça. Je vais pas le montrer. Comme ça. Ding! Voilà. Fait que là, ben, tu mets comme un papier collant sur le gros. Ça va tenir les deux petits pliés aussi, ils sont pas collés à rien. Puis ça va économiser du papier. C'est parfait. Je la mets partout pareil. C'est pas grave. Tadam! Je la mets de l'autre côté. Ça va. Chose avec le raté, je viens de l'entendre. C'est bien. Oh, mais lui, il est moins beau. Too bad.
Tada! Plié comme ça, plié comme ça. Tout est beau. Puis dans le milieu, ben, ça ne dépasse pas ici. Fait que là, quand tu le vois de même, il n'y a pas de papier collant qu'on dépasse là. Voilà!